De tout ce qui était impossible, c'était de laisser 200 commerçants sur le marché Saint-Marc. Je connais bien le marché Saint-Marc depuis 30 ans que j'y vais. Le dimanche matin, vers midi, tous les clients sont là, les uns contre les autres. Ça, c'était absolument impossible. Donc la seule solution, c'est de permettre que les étals des commerçants puissent être plus éloignés les uns des autres. Et la seule façon d'avoir un marché Saint-Marc garantie sur le plan de la sécurité, c'est d'avoir une cinquantaine, une soixantaine de commerçants. Et donc on a organisé les choses en faisant un marché alimentaire un jour, un marché non alimentaire un autre jour, et le marché alimentaire même à Saint-Marc, c'est plus de 100 commerçants. Et donc on a dit un dimanche sur deux. Donc tout ça a été organisé, je dis, 3-4 jours avant, et donc peut-être que ce n'est pas exactement les commerçants qui auraient souhaité les uns et les autres être ensemble. Mais ça, il n'y a aucun problème pour le corriger et l'ajuster précisément demain, après-demain, je veux dire. Mon adjoint qui est chargé des foires et marchés, Jean-Louis Gervais, est parfaitement au contact avec les commerçants. Nous avons organisé ça en urgence. Maintenant, on peut ajuster sans aucune difficulté. C'était pas possible, comme ça a été fait dans d'autres villes, on a vu ça à Ipto, de mobiliser des rues, de piétonniser des rues supplémentaires pour avoir plus d'étals. C'était peut-être aussi une solution, on peut regarder. Le sujet, c'est qu'à ce moment-là, je veux dire, il y a beaucoup de petites rues dans le secteur, là aussi avec des rues commerçantes. Je veux dire, c'est des rues actuellement commerçantes, et là, les rues piétonnes sont très utilisées pour les passants qui viennent jusqu'à Saint-Marc, et on risquait de se retrouver dans ces petites rues avec autant d'habitants qu'on voulait éviter sur le marché précisément.